voilà, on a quitté Ninh Binh pour nous rendre à Cat Bah. Donc là, on va prendre un ferry. On va prendre un ferry puisque, en gros, vous avez deux étapes. Donc de Ninh Binh à Haiphong, vous prenez le bus. Et ensuite, arrivé à Haiphong, vous avez besoin de prendre un ferry ou un speedboat pour aller sur l'île de Cat Bah, depuis laquelle on va organiser donc la visite de la baie d'Along et de la baie de Lan Ha. Je crois que c'est ça. Allez, on y va. On a beaucoup de route. Papier, ciseaux, quitte. Okay, on va prendre le ferry. Hop. Alors, vous avez la possibilité de prendre les cabines. Vous voyez les cable cars, mais là, on va prendre le ferry. Wow. Vous avez tous les bus et tout là, en dessous. Voilà, direction Cat Bah. Tu vois quoi, Haroun? Oui. Ok, look at the view. C'est dingue. Alors en fait, on est quelque part dans cet hôtel ici, le Perle d'Orient. C'est ça, Perle d'Orient? Franchement, je suis choquée. Regardez-moi ça. Waouh. On a trouvé un tour pour demain. On va prendre un bus privé. Les enfants sont en train de s'éclater. Ça va? Oui. Hein? Hello, bienvenue à Cat Bah. Alors on a booké un tour pour demain pour voir la baie d'Along et la baie de Lan Ha. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'options halal. Du coup, on a cherché une option végétarienne et on est tombé sur le Like Coffee sur TripAdvisor. Et donc ils ont quand même pas mal de choix. Il y a pas mal de choix. Vous avez de la baguette, vous avez des pancakes, vous avez des plats végétarien, donc du coup on va partir sur ça, on va dîner et on va aller dormir puisque demain 7h30 on vient nous chercher pour faire un tour durant toute la journée. On va visiter différentes îles, on va voir la baie tout simplement, faire du kayak, etc. Bon, on va goûter au Egg Coffee. Alors c'est un café vietnamien avec des œufs dedans. Ça sent bon, ça sent bon. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Oula, attendez, je vais vous montrer. Ça a l'air pas mal. Maintenant, on va voir au goût ce que ça donne. Ahmed, tu veux essayer? Tu veux tester le premier? Il est hyper épais en fait. Ouais, attends, je prends mon temps. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. Des œufs dans du café. Mais là. Franchement, c'est bon. On dirait. C'est sucré, hein. C'est sucré, mais il est délicieux. Ça ne dure pas du tout, il y a des œufs, on sent pas du tout le goût des œufs dedans. Ah ouais? C'est bon, hein? Il est super fort, mais il est super bon aussi. Mmh. Ben voilà. Tu vas adorer ce sucré. En fait, le fond, il est vraiment fort. Et tout le dessus, c'est un mélange des œufs, je sais pas trop quoi d'œuf, quoi d'autre. Mais c'est bon. Allô, ouvre la bouche. Tout à l'heure, celui que je t'avais lu, là. Les potes, c'est le premier. Mmh, ça a l'air super bon. Alors. C'est du tofu avec des noix et de l'ananas. Ouais, cuit dans ce pot d'argile. Mmh. C'est pour ça que ça a mis longtemps et du riz. Bon, j'attends mon curry, moi. Okay. Voilà. Ah, ça sent bon. Franchement, ils sont super bons. Et voilà mon curry. You want to try? Yummy. Mmh, un curry de légumes avec du tofu aussi. Et des pommes de terre sucrées. Tu veux goûter, Ahmed? Mmh. Thank you.
Good morning. On est en tenue de nage, donc on s'en va sur un bateau toute la journée. Morning. Yes. On va faire du snorkeling, on va s'arrêter sur des plages, on va naviguer dans la baie de Lanha, on va faire du canoë, on va manger du poisson. On a demandé du poisson, on a demandé du poisson. Maman. On va manger et passer par un village de pêcheurs, donc c'est parti. Vous êtes prête? Yes. 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 Alors le truc qui est super cool, c'est que c'est super bien pris en charge. À chaque fois qu'on descend, on a tout de suite la personne qui nous attend avec les tickets, etc. Let's go, on y va? C'est parti. Il y a du monde, hein, il y a du monde. Bon voilà, alors en fait on avait le choix au niveau des excursions, vous pouvez joindre un groupe, mais le groupe c'était quand même une quarantaine de personnes, vous avez des bateaux un peu plus petits, d'une vingtaine de personnes, on a tout simplement préféré prendre un bateau tout simplement pour nous. Voilà, mais il y a vraiment du monde, hein. Il y a plein de monde. Alors ici vous avez le fishing village, le village des pêcheurs. Il y a quelques bateaux de pêcheurs, les gros bateaux que vous voyez comme ça, ce sont des bateaux de groupe. Mais ce qui est cool, c'est que du coup, on peut prendre des raccourcis avec un petit bateau et aussi lui demander où on veut aller. Donc on va s'arrêter là, ici, sur ce petit banc de plage là, que vous voyez ici. C'est impressionnant, on est au milieu de nulle part et il n'y a personne. C'est top, top, top. On hésitait, on s'est dit, est-ce qu'on prend privé, groupe, et franchement, on a bien fait. Ok, t'es prête? Oui, tu peux sauter, t'es prête, vas-y. 1, 2, 3, 3, go. Wouh, bravo.
Parti bien loin parce que... Ah, j'en peux plus, j'ai mal au bras.